Salut tout le monde, je vous propose de partir aujourd'hui à l'aventure avec moi, à la découverte justement de l'univers et de la saga fabuleuse des Elder Scrolls. Alors on va découvrir ensemble comment l'entreprise Bethesda a été créée et quels ont été les premiers jeux de la saga des Elder Scrolls jusqu'à Skyrim bien évidemment, qui est sorti plus récemment, donc le 11 novembre 2011. Allez, c'est parti! Alors l'entreprise Bethesda, c'est une longue histoire. Elle a été fondée en 1986 par Chris Weaver, un ex-étudiant du MIT, dans une ville du nom de Bethesda justement, qui est dans un état, l'état du Maryland, aux États-Unis. Rapidement, Bethesda commença par faire des jeux de sport, notamment de football américain, et c'est comme ça qu'ils se sont illustrés au début. Ils ont été rapidement contactés par EA justement, qui étaient intéressés par leur travail, mais qui ont finalement lâché l'affaire, ce qui leur a valu d'être poursuivis en justice par Bethesda, et depuis ce jour, Bethesda et EA n'ont plus jamais travaillé ensemble, et je pense que c'est pour le mieux. Quelques années plus tard, en 1990, Bethesda Softworks décide de déménager vers une ville voisine du nom de Rockfield. Dès le départ, ils ont fait le choix de publier eux-mêmes leurs jeux pour éviter de passer par des intermédiaires comme 2K, EA et tant d'autres qui sont censés pouvoir aider les studios de développement à distribuer leurs jeux à travers le monde. Mais bien évidemment, ils se font de l'argent aussi là-dessus. Alors un studio de développement qui peut publier et distribuer soi-même ses jeux, c'est quand même une force et une marque d'indépendance que Bethesda a réussi à conserver aujourd'hui. Bien installés dans leur nouveau studio, Bethesda Softworks se sont attelés au développement de leur premier jeu de la franchise d'Elder Scrolls, The Elder Scrolls Arena, qui germe un petit peu de la passion des développeurs et de leur intérêt pour l'heroic fantasy et tout ce qui découle de ce genre fabuleux. Arena s'apparentait d'abord à une grande arène dans laquelle le joueur pouvait affronter d'autres races. Les développeurs ajoutèrent ensuite des missions secondaires et créèrent un énorme monde ouvert tout autour de l'arène dans lequel le joueur était libre d'évoluer, pouvait visiter un petit peu les villes qu'il voulait, les villes qui étaient toutes créées à la main. Malheureusement, le jeu peina à séduire un petit peu au départ, notamment à cause de la difficulté du premier donjon du jeu qui rebuta quelques joueurs. Mais ceux ayant eu le courage de vaincre les ennemis pour enfin accéder à ce monde ouvert étaient véritablement servis par un subtil mélange d'heroic fantasy, de gestion de compétences, d'armure, le tout dans un monde gigantesque aux possibilités assez grandes. Pour tenter de fructifier les ventes du jeu, peu après sa sortie en mars 1994, une jeune recrue du nom de Todd Howard fut embauchée pour justement développer la version CD de The Elder Scrolls Arena. Alors qui est ce fameux Todd Howard ? Eh bien, c'est ni plus ni moins actuellement le chef de l'équipe de développement des Elder Scrolls, donc qui nous a amené plus récemment Skyrim, mais juste avant Oblivion et aussi Morrowind. Attendez un petit peu donc à Elder Scrolls, ce qu'est Ken Levine au BioShock. Peu après, Bethesda décida de développer son propre moteur graphique adapté au jeu qu'il voulait concevoir. Ils ont voulu étendre leur univers, mais ce ne fut pas sans mal. Avançons encore un petit peu dans le temps, jusqu'en août 1996, date de sortie de The Elder Scrolls 2 Daggerfall, qui fut un franc succès. Cette puce a été l'occasion pour Todd Howard et son équipe de créer un algorithme pour générer aléatoirement des ennemis, des objets et aussi des donjons au sein du jeu, ce qui leur a été plutôt salutaire lors du développement de ce dernier. Daggerfall a donc pu étendre et améliorer les concepts originellement introduits dans Arena, en introduisant par exemple un système de level up des compétences du joueur basé sur la fréquence d'utilisation de certains objets. C'est donc simple et intuitif au joueur d'évoluer, puisqu'il lui suffit d'utiliser beaucoup l'arc pour devenir un bon archer et la dague pour devenir un bon assassin par exemple. Après ces francs succès, Bethesda reçut beaucoup de contrats et de propositions de développement et s'attelèrent directement au développement de leur prochain jeu, Battlespire. Une petite erreur de parcours pour certains. Sorti en novembre 1997, le jeu était une plus petite aventure centrée sur l'action et les combats. Tous les environnements étaient faits à la main et le jeu proposait également aux joueurs de jouer et de combattre un ami en multijoueur. Malheureusement, le jeu était un petit peu buggé dû aux nombreux projets de développement que Bethesda avait à l'époque et il ne marcha donc
pas très bien. Ils n'étaient pas fondamentalement mauvais, mais malheureusement, les joueurs n'ont pas retrouvé cet univers, cette liberté d'action qui était présente dans les autres Elder Scrolls. Malheureusement, cet échec commercial n'était pas leur dernier. En 1998, The Elder Scrolls Adventures Redguard a été publié, mais fut également un échec commercial. Se jouant à la troisième personne, le jeu proposait aux joueurs d'incarner un Rougegarde, qui est une autre race de l'univers des Elder Scrolls, et permit également l'introduction de petites énigmes et puzzles. Malheureusement, avec quelques bugs et une maniabilité un petit peu hasardeuse, le jeu peina à séduire. Le moteur graphique qui faisait tourner le jeu était également vieillissant. Mais plus grave encore, le jeu sortit sur DOS longtemps après la sortie de Windows. En 1998, ce n'était pas une bonne idée. Suite à de nombreux échecs, Bethesda manqua de faire faillite. Mais en 1999, alors que tout espoir semblait avoir disparu, Bethesda fut racheté par ZeniMax Media, entreprise cofondée par Chris Weaver, lui-même à l'origine de Bethesda Softworks. Après avoir retrouvé un budget raisonnable, Todd Howard et son équipe s'attelèrent directement au développement de leur prochain jeu, un jeu sur lequel ils ont tout misé. Morrowind, en quelque sorte là, leur fantaisie finale. Le développement de Morrowind fut rude. D'abord prévu pour 1999, il a été reporté plusieurs fois à cause d'autres projets et d'autres contrats de Bethesda à l'époque. Ce jeu à très gros budget a permis notamment l'achat d'un nouveau moteur graphique permettant de générer et d'afficher des environnements sur une très longue distance. Morrowind était un projet fou. Les développeurs se sont fixés comme objectif de réaliser toutes les zones à la main dans le jeu, ce qui était une tâche absolument gigantesque à réaliser. Mais heureusement, Todd Howard eut l'idée de développer The Elder Scrolls Construction Set, ou alors plus communément appelé Tasks, qui leur a permis de designer et de mettre en place beaucoup plus rapidement le jeu en offrant aux développeurs une interface simple d'outils avec toutes les options nécessaires pour construire ce jeu de rôle. Le jeu était au final d'une richesse phénoménale. Livres, sorts, équipements, objets, il y avait énormément de choses à découvrir et le joueur avait beaucoup de possibilités d'évolution. Il pouvait s'enrôler dans des guildes et prendre part à certaines conspirations, aider d'innombrables personnes lors de quêtes secondaires ou alors œuvrer dans un but précis. Mais le jeu était d'une atmosphère unique en son genre et fut un franc succès, notamment grâce au travail de Jeremy Soule qui a composé des morceaux musicaux qui restent encore aujourd'hui dans nos âmes. Morrowind se vendit si bien qu'il était placé en deuxième position juste derrière Halo dans les meilleures ventes de la Xbox. Deux extensions ont également été par la suite développées sous le nom de Blood Moon et Tribunal, à mesure qu'en parallèle une véritable communauté de modders était en train de naître. Tasks, l'éditeur de jeux créé par Todd Howard, fut l'opportunité pour de nombreux passionnés de créer leurs propres extensions à Morrowind, que ce soit des extensions graphiques, des extensions de contenu, de musique, tout était possible et réalisable. Bethesda commençait à devenir un poids fort dans le monde des jeux vidéo. Et leur succès n'était pas prêt de s'arrêter. En 2006, Oblivion vit enfin le jour. C'était le premier RPG à apparaître sur la Xbox 360 et fut accueilli encore plus chaleureusement que Morrowind. Le jeu place le joueur dans un monde d'heroic fantasy plutôt strict dans le territoire des impériaux, qui sont plutôt des humains d'apparence banale, et on assiste au retour des donjons générés aléatoirement, tout de même moins enchanteurs que ceux créés à la main. L'entreprise fait encore un bond en avant en introduisant une IA personnalisée appelée Radiant AI qui a un emploi du temps spécifique, qui fait que chaque PNJ personnage non jouable du jeu réalise des actions différentes, a en quelque sorte son train de vie particulier et cela renforce l'immersion du joueur dans le jeu. Les PNJ ont par ailleurs tous maintenant une voix, on peut leur parler et ils nous répondent. Et on assiste également au retour des montures avec les chevaux, sur lesquels on ne peut malheureusement pas combattre, mais qui seront au centre d'une polémique, justement lors de la sortie du premier DLC pour Oblivion, à une époque où les DLC, c'était quelque chose qui venait d'apparaître.
Et oui, Bethesda a eu la bonne idée de proposer pour les chevaux d'Oblivion des armures pour la somme modique de 2,5€. Ce DLC n'ajoutait pas réellement de contenu au jeu, pas de changement de gameplay, pas de nouvelles quêtes, mais simplement des armures pour des chevaux, ce qui était un petit peu ridicule. Toujours est-il que ce DLC s'est très bien vendu, et ensuite les extensions d'Oblivion Shivering Isles et Knights of the Nine ou Cotn ont eu aussi un franc succès. Ça a permis à Bethesda de continuer à publier ses jeux tout seul sans l'aide d'un intermédiaire. Devenue une entreprise puissante, Bethesda a beaucoup évolué, notamment grâce à l'achat de l'IP Fallout en 2007, qui leur a permis de sortir un petit peu plus tard Fallout 3, qui fut également un très bon succès. Actuellement, Bethesda se sont aussi appropriés ID Software, et donc ils sont éditeurs sur Rage. Ils ont aussi édité des jeux comme Brink, Dishonored, Haunted the Demon's Forge, au succès plus mitigé, et également Prey 2, qui n'est pas sûr de sortir un jour. Vous l'aurez compris, Bethesda est aujourd'hui une entreprise forte, et c'est pas Skyrim qui va en dire le contraire, puisque le jeu a été une des plus grosses ventes pour eux, notamment grâce à sa distribution sur Steam. Je crois que c'est aujourd'hui encore le jeu Steam le plus vendu, ou le plus rapidement vendu de toute l'histoire de Steam. À mon avis, c'est le jeu qui a le mieux marché de tous les Elder Scrolls. Il a su séduire un nouveau public, il a su ne pas rebuter les fans de première heure, et proposer un gameplay toujours aussi fun, un univers toujours aussi intéressant à explorer, et de nouvelles mécaniques qui facilitent encore davantage l'immersion dans le jeu. Le jeu est plus accessible, notamment grâce à son intégration à Steam, et avec l'apparition du Steam Workshop, les modules et plugins développés par les fans peuvent être échangés, partagés directement sur Steam. Là, leur installation est également plus simple et assurée par des logiciels qui s'occupent de tout. La communauté des modeurs a sans cesse cessé de grandir et nous permet aujourd'hui de profiter de nombreux mods qui permettent d'améliorer en tout point le jeu. Alors que nous réserve Bethesda Softworks pour son prochain jeu? Eh bien, l'annonce de Tesso, The Elder Scrolls Online, fut assez surprenante, comme ce n'est pas vraiment le genre de jeu que Bethesda est habitué à faire. Mais à l'annonce du jeu, je pense que certains fans ont crié « Enfin !» Enfin Bethesda nous écoute et enfin Bethesda prend en compte nos demandes concernant un jeu en multijoueur avec ce Elder Scrolls Online. Le joueur pourra explorer diverses régions de la province de Tamriel, donc il aura un monde assez énorme à porter, et apparemment le système d'évolution du personnage sera quand même assez flexible grâce aux nombreux talents disponibles dans le jeu. Mais pour les fans de la première heure, je pense que le Elder Scrolls qui les intéresse le plus, c'est quand même la suite de Skyrim, en gros, qui peut se dérouler concrètement dans pas mal de régions encore, puisque chaque Elder Scrolls avait sa région. Alors, on peut se demander si il se déroulera dans le pays des Argoniens, peut-être chez les Khajiit, je ne sais pas, et peut-être chez les Orques, ou alors les Hauts-Elfes ou Elfes des Bois. Avis aux pronostics. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a un petit peu éclairé sur l'évolution de Bethesda et qu'elle vous a donné envie de découvrir certains autres de leurs jeux. Alors certains comme Arena sont gratuits maintenant, il me semble, et vous pouvez les récupérer assez simplement sur le net pourvu que vous ayez un émulateur DOS. Je me permets aussi de vous mettre en lien de cette vidéo certains sites de modding comme Test Nexus, qui est une communauté absolument énorme de mods pour Oblivion ou Skyrim, et aussi WiiWiiLand, qui est la communauté française de mods pour Skyrim, qui est aussi très intéressante et propose des mods de qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.